Rendez-vous au parvis. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre nouvelle série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en visite à l'église Saint-Clodoald à Saint-Cloud en compagnie du père Vincent Beaumain qui est arrivé ici, ça fait une année que vous êtes ici aujourd'hui. Septembre 2019, oui c'est ça. Et aujourd'hui vous nous accompagnez dans la visite. Vous avez choisi de commencer par l'entrée principale parce que aussi il y a des ruines de l'église un peu plus en bas. Voilà, exactement. Je vais essayer de vous expliquer tout ça avec la science récemment acquise, puisque je suis ici effectivement depuis un an et quelques mois. Je suis un des quatre prêtres de Saint-Cloud, un des trois vicaires. Voilà, et je suis très heureux de vous accueillir ici et de vous introduire un peu quant à l'histoire de cette église qui est évidemment qui est à partie prenante avec l'histoire de la ville même de Saint-Cloud. Je profite que nous soyons sur la place de l'église pour vous indiquer derrière nous les ruines. Alors en fait, on a simplement des ruines de soubassement du chœur et du transept d'une ancienne église. Et puis au niveau où nous nous trouvons, vous voyez sur la droite un arc d'ogive de la même époque, du XIIIe siècle, qui appartenait donc à cette collégiale, puisque donc c'est une collégiale qui a été érigée sur le monastère qui a été fondé par Saint Clodoald. On se retourne, si vous le voulez bien, vers l'église actuelle. Cette église que vous voyez en face de nous aujourd'hui n'aurait pas pu voir le jour si la volonté d'un homme ne s'était pas appliquée à ce qu'elle vit le jour, et surtout s'il n'avait pas engagé de lourdes sommes d'argent qui étaient nécessaires à sa fondation. Cet homme, c'est Napoléon III, l'empereur Napoléon III. Il n'a fallu que 21 mois, à partir du moment de la pose de la première pierre par son fils, le prince impérial, pour que fût achevée cette église en mai 1863. C'est un édifice qui est imposant, 21 mois, vous voyez que c'est peu quand même. Et si on se souvient que la ville à l'époque ne comptait que 4000 habitants, on imagine sans peine qu'il aurait été impossible de réunir la somme pour des travaux aussi rapides sans la générosité de Napoléon III. Alors, pourquoi une telle libéralité? Napoléon III lui-même invoquait des motifs religieux. Je ne me permettrai pas de dire s'ils étaient authentiques ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à ces motifs intimes, s'adjoignent des motifs politiques. Il faut savoir que les relations sont un peu compliquées entre l'Empire et l'Église. Et donc, probablement, Napoléon III cherche à complaire à l'autorité ecclésiastique et aux fidèles. Pourquoi choisir l'église de Saint-Cloud? Alors, très bonne question. Il se trouve que Louis-Napoléon Bonaparte, c'était son nom avant qu'il ne devienne empereur, le président, il était président de la République, a vécu pour partie dans le château de Saint-Cloud. Ainsi d'ailleurs que son oncle, Napoléon Bonaparte, premier consul. Les deux ont appris qu'ils étaient qu'ils accédaient à la dignité impériale dans le château de Saint-Cloud. Et c'est une ville dans laquelle ont résidé de très nombreux monarques, du reste. Et les deux empereurs entendaient légitimer le récent régime impérial face aux royalistes, notamment, qui étaient encore assez nombreux et actifs à l'époque. Et pour ça, ils se présentaient comme les successeurs choisis par Dieu des dynasties monarchiques antécédentes. Vous voyez que c'est vraiment une ville qui est très emblématique pour ces deux personnages et singulièrement pour Napoléon III. L'église actuelle, c'est un édifice de style romano-gothique, c'est-à-dire qui tient à la fois du style roman et du style gothique. Alors le style gothique saute aux yeux, me semble-t-il, parce qu'on a une rosace qui orne la façade au-dessus de la croix, parce qu'on a un clocher en flèche qui est très élancé, c'est une église qu'on voit depuis Boulogne en face, et parce qu'on a de part et d'autre des voûtes
on a des, vous voyez, des arcs-boutants qui tiennent l'édifice. Et une grande simplicité, une sobriété qui là aussi, relève typiquement de l'art roman. Alors, puisque nous nous trouvons devant ce clocher imposant, je me permets un mot à propos des cloches. Ce clocher comporte 4 cloches, dont 3 ont été baptisées en 1865, donc 2 ans après la fin des travaux, et qui ont eu pour parrain et marraine, sans surprise, l'empereur Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie. Notez que le bourdon, c'est-à-dire la cloche qui sonne la note la plus grave, pèse à peu près 3 tonnes, et que c'est la plus grosse cloche qui est actuellement en service dans le diocèse de Nanterre. Seulement après la fin des travaux, l'église risquait à nouveau d'être détruite. Pendant la guerre franco-prussienne, ces derniers bombardaient les environs à partir de la colline de Saint-Cloud. Les Français leur faisaient face sur le mont Valérien. Vers la fin de la guerre, les Allemands, probablement par vengeance, choisirent de brûler systématiquement la ville entière. Ce fut un courageux Clodoaldien qui obtint, grâce à un militaire prussien originaire de Pologne et catholique lui-même, d'épargner l'église et sa propre maison, qui est aujourd'hui le secrétariat paroissial. Je propose que nous entrions dans l'église. Nous allons passer par le parvis. Le parvis, c'est la contraction du mot paradis, pour indiquer qu'en passant le parvis, pour entrer dans l'église, on quitte le monde profane et on entre, en quelque sorte, dans l'antichambre du ciel. La liturgie qui est célébrée est d'ailleurs souvent désignée comme le ciel sur la terre. Du parvis, on entre dans le narthex, vous voyez, cette partie extérieure à l'église qui est très, très ample, très haute. Le narthex est l'endroit où se tenaient dans l'Antiquité chrétienne les catéchumènes, ceux qui se préparaient au baptême. Et de cet endroit, hors des portes, les portes étant ouvertes, ils assistaient à la première partie de la messe, c'est-à-dire le rite pénitentiel, les lectures bibliques et l'homélie, la prédication du prêtre ou du pontife. Et puis ensuite, on les renvoyait chez eux, on fermait les portes. Pour la deuxième partie, la partie proprement eucharistique, jusqu'au jour béni où ils allaient pouvoir entrer dans l'église, être régénérés par les eaux du baptême et illuminés par la foi, être en mesure de comprendre ce qui se passait dans la deuxième partie de la messe, la partie sacrificielle, à laquelle ils prenaient part comme prêtres, prophètes et rois, cet état que le baptême constitue en nous. Voilà, nous allons entrer dans l'église. À tout seigneur, tout honneur, nous allons nous diriger d'emblée vers la chapelle Saint-Clodoald, qui est la chapelle des fonts baptismaux. Clodoald, né en 522, était le dernier fils de Clodomir, lui-même fils aîné de Sainte Clotilde et du roi Clovis, qui avait divisé le royaume entre ses 3 fils. À la mort de Clodomir, ses 2 frères essayent de s'arroger sa partie du royaume. Ils choisissent alors de tuer ses 3 enfants, mais Clodoald leur échappe, sauvé par des vassaux restés fidèles à son père. Il avait 4 ans. On retrouve ses traces quand, jeune adulte, il rejoint un ermite à proximité de Paris. Son désir de se consacrer à Dieu se fait alors de plus en plus pressant, jusqu'au jour où, devant l'évêque de Paris, Eusèbe, il se coupe les cheveux. À cette époque, porter une longue chevelure était un privilège réservé au roi franc. Ses oncles,
soulagés du fait qu'ils ne représentent plus aucun danger pour eux, lui font de nombreux dons. Parmi eux, la ville de Novi Gentum. Avec des amis, ils y fondent une communauté monastique autour d'une église dédiée à Saint Martin de Tours, qui avait alors une grande notoriété. Âgé seulement de 38 ans, Clodoald meurt. Peu avant, il avait fait don de ses terres à l'évêque de Paris. Ce qui explique les armes du chapitre collégial de Saint-Cloud, et plus tard, ceux de la ville. On y retrouve un demi-lys qui évoque l'ascendance royale de Clodoald et à droite la crosse de l'évêque de Paris. Au fil des siècles, des foules nombreuses viennent en pèlerinage auprès de cette tombe, puisque des miracles sont constatés sur les restes de Clodoald. Il s'agit de pèlerinages qui sont faits sur ces restes parce qu'on prête à ces reliques des vertus de thaumaturge. Voilà. Donc des guérisons miraculeuses. Voilà. C'est une caractéristique aussi liée à la dynastie royale. Exactement. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le toucher des écrouelles. C'est la capacité qu'on prête au roi de guérir miraculeusement les gens qu'il touche. Le roi te touche, Dieu te guérit. C'était la formule consacrée que vous avez peut-être déjà entendue. Et Clodoald, en tant que successeur de droit au trône, avait ce privilège qu'il semble avoir exercé pendant sa vie et qui en tout cas s'est exercé via ses reliques après sa mort. Alors pendant des siècles, des pèlerinages sont organisés, de grands pèlerinages, dont il ne reste plus grand-chose. Aujourd'hui, le 7 septembre, on a fête de Saint-Clodoald, le dimanche le plus proche du 7 septembre, la paroisse organise toujours une procession de ce qui reste de ses reliques. Mais enfin, c'est une procession très modeste par rapport au pèlerinage de jadis. Voilà. Et après la mort de Saint-Cloud, on peut dire en tout cas que la ville est née autour de cette figure. Absolument. Le nom de la ville, donc Nogent, Novi Gentum, a été changé en Saint-Cloud, probablement dès après sa canonisation, qui est intervenue au 7e siècle. Donc les choses sont allées assez vite. Je vous propose que nous avancions vers le cœur qui vient d'être restauré. Comme vous le voyez, ce chœur est entièrement peint, ce qui contraste avec le reste de l'église qui est très sobre. Il n'y a aucune peinture sur les pierres. Derrière l'autel, on aperçoit, on va devoir s'approcher un peu, cinq grandes peintures qui évoquent des épisodes de la vie de Saint-Clodoald. Il y en a quatre qui évoquent sa vie et puis une qui évoque la translation de ses reliques après sa mort. Sur la gauche, l'ordination de Saint-Clodoald par l'évêque Eusèbe de Paris, la translation de ses reliques justement, après qu'elles aient été cachées, mises à l'écart du danger normand dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ici c'est Saint-Clodoald en gloire qui arrive au ciel devant le Christ en présence d'un ange et entouré de sa grand-mère Clotilde. Ensuite, on voit la fondation du monastère par Saint-Clodoald lui-même et enfin la guérison miraculeuse d'un jeune homme par le même Clodoald dont je vous ai dit tout à l'heure les pouvoirs thaumaturgiques dont il avait fait preuve au cours de sa vie et même post-mortem via ses reliques. Alors, on peut remarquer au-dessus de ces cinq grandes peintures évoquant Saint-Clodoald, le tétramorphe, c'est-à-dire quatre animaux, deux sur la gauche, deux sur la droite,
Alors, le tétramorphe, ça vient du grec tétra, quatre, et morphé, qui signifie la forme, donc quatre formes. C'est la représentation symbolique des quatre évangélistes, tels que le prophète Ézéchiel, au 9e siècle avant Jésus-Christ à peu près, en a eu la prescience au cours d'une vision. Il raconte ça au début du livre qui porte son nom, le livre d'Ézéchiel. « Je regardais et je discernais quelque chose qui ressemblait à quatre animaux, dont voici l'aspect. Ils avaient forme humaine, ayant chacun quatre faces et chacun quatre ailes. Sous leurs ailes, il y avait des mains humaines tournées vers les quatre directions. » C'est les évangélistes qui vont propager, grâce à leur l'écriture des évangiles, eh bien la bonne nouvelle du salut aux quatre coins de l'horizon. Quant à la forme de leur face, poursuit Ézéchiel, ils avaient une face d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion sur la droite, une face de taureau sur la gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle. Hein, alors, on attribue chacune de ces quatre figures respectivement aux quatre évangélistes. Le taureau, c'est Saint Luc, parce que son évangile s'ouvre et se ferme sur une scène au sein du temple de Jérusalem, où étaient offertes les bêtes en sacrifice. L'aigle, évidemment, c'est l'évangéliste Saint Jean, qui a un regard très perçant sur le Christ, dont il est un ami intime, et qui a compris bien des choses. Son prologue est une élévation théologique qui, d'emblée, met la barre très haut. Ensuite, on a un jeune homme ou un ange qu'on impute à Saint Matthieu parce que son évangile s'ouvre avec la généalogie de Jésus. C'est pour montrer l'incarnation, le fait que le Fils de Dieu soit devenu un homme, justement un jeune homme, d'abord un bébé. Et puis, enfin, le lion qui représente Saint Marc parce que son évangile s'ouvre sur la prédication du Baptiste, de Jean le précurseur, dans le désert, cette voix qui hurle l'annonce de l'arrivée de son cousin, le Christ. On peut se reculer un petit peu pour apercevoir sur les piliers de part et d'autre du sanctuaire, d'un côté Marie-Antoinette, qui tient dans ses mains le projet d'église qu'elle avait commencé de financer, et sur la droite, Napoléon III, qui tient dans ses mains la maquette de l'église actuelle de Saint-Clodoald. La reine Marie-Antoinette, au centre de la vie mondaine à Versailles, s'y sentait en même temps une étrangère. Son mari, le roi Louis XVI, choisit alors de lui faire don du château de Saint-Cloud, à mi-chemin entre Versailles et Paris. La reine faisait régulièrement étape ici et organisait des fêtes assez grandioses. Les fortes sommes employées lors de ces événements et son habitude de se mêler à la foule, composée de notables et de gens du petit peuple, habillés en simples bergères, lui valurent un grand mépris. Très attachée à cette ville, en 1788, elle y pose la première pierre d'une église de style grec, alors que la collégiale était au bord de la ruine. L'année d'après, les travaux devront s'arrêter avec la Révolution. Alors, un mot maintenant pour nous tourner vers la chaire, dont vous voyez qu'elle est assez monumentale, qui a été construite quelques années après la fin des travaux, après 1863. Cette chaire, pour la petite histoire, a été exposée à l'Exposition universelle de Paris en 1900, avant d'être installée ici. On la doit à la persévérance du curé de l'époque, désolé qu'il n'y ait pas de chaire qui fasse pendant à l'autel, hein, l'autel où on offre le saint sacrifice de la messe, la chaire où on enseigne, où on témoigne de la vérité de l'évangile. Il existait face à la chaire un élément qui a disparu, qui était un banc d'œuvre assez colossal. Un banc d'œuvre, c'est le,
un banc très orné qui servait aux édiles de la ville, aux notables, si vous voulez. Et le curé trouvait un peu déplacé qu'on mette en exergue, on mette un peu en évidence, à l'honneur, les notables de la ville, sans qu'il y ait de chair face à ce banc d'œuvre. Donc il a décidé de construire cette massive chair sous laquelle sont représentés trois personnages. Si vous voulez, on peut s'approcher. Mais donc c'est pour ça que la chair aussi est assez importante. C'était pour créer un équilibre avec ce qui était... Pas seulement, mais en tout cas le curé de l'époque, qui savait s'y prendre pour mobiliser les fonds, a utilisé cet argument pour que les donateurs fassent abonder les sommes requises et qu'on puisse vraiment ériger cette chaire qui est quand même très, très impressionnante. Alors sous cette chaire, je vous le disais, se trouvent représentés trois personnages. Debout, les deux clés dans la main et la croix dans l'autre, vous l'aurez reconnu, c'est Saint-Pierre. Le visage n'est autre que celui du pape de l'époque, Léon XIII. À son côté, l'évangéliste Saint-Jean. Le visage est celui de l'artiste, qui s'est lui-même mis en scène. Et à genoux, à la gauche de Saint-Pierre, Saint-Clodoald, dont le visage est celui du curé de l'époque. C'est assez grandiose, on voit que c'est vraiment tout juste par rapport à... Oui, c'est calculé, on dirait, au centimètre près, pour que la chair puisse rentrer. Voilà pour l'essentiel de ce que je pouvais vous dire de cette église de Saint-Clodoald. Et vous diriez encore aujourd'hui que la ville est sans le lien avec la figure de Saint-Clodoald et toute l'histoire de ces lieux? Les armes de la ville en témoignent, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cet écu frappé du demi-lisse et de la crosse avec de Paris. C'est vrai que les Clodoaldiens sont des gens assez discrets, qui n'ont pas l'habitude de livrer l'intimité de leur âme, autrement qu'auprès du prêtre qu'ils viennent voir pour se confesser ou pour se confier. Mais on sent effectivement qu'il y a un lien fort avec Saint-Clodoald, mais par-delà Saint-Clodoald, avec les différentes dynasties qui ont résidé dans le château de Saint-Cloud. Les rois innombrables, et puis les deux empereurs que j'évoquais tout à l'heure. C'est une ville qui a un fort tempérament légitimiste, pourrait-on dire, au sens large, et qui aime son saint protecteur et son saint patron. Il faut savoir que la ville de Saint-Cloud compte aujourd'hui 30 000 habitants, et que sur ces 30 000 habitants, 2 000 sont des paroissiens assidus placés. Il y a une forte coloration catholique dans la ville de Saint-Cloud. Du reste, les liens entre la paroisse et la commune avec la mairie sont excellentes, me semble-t-il. Je découvre cela au fil des mois, depuis le peu de temps que je suis ici. Vraiment une relation d'estime réciproque. Le maire de Saint-Cloud vient lui-même assister à la messe aux grandes occasions. Se fait fort de fêter le départ des curés et d'accueillir les nouveaux. Voilà, les relations sont vraiment très très bonnes entre le trône et l'autel, pour ce qui est du trône local et de l'autel de la paroisse. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous ces beaux lieux du diocèse de Nanterre. Le prochain rendez-vous sera début mai devant l'église de Sainte-Thérèse à Boulogne-Billancourt pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis.